Bonjour, je m'appelle Nathalie Milcarec et je suis directrice de recherche à l'INSERM. Tout mon parcours est autour du développement de vaccins. Donc j'ai fait une thèse autour de la schistosomiase à l'Institut Pasteur de Lille. Je suis ensuite partie en stage postdoctoral en Suède où je travaillais sur l'immunité muqueuse. Je suis revenue en 2000 où j'ai passé le concours de l'INSERM et là j'ai rejoint l'équipe du docteur Loche pour travailler sur le développement d'un vaccin nasal contre la coqueluche. Je suis ensuite partie à l'International Vaccine Institute à Séoul, en Corée du Sud, pendant 3 ans pour travailler toujours sur le développement de vaccins. Et donc je suis rentrée depuis les années 2009. Au niveau scientifique, j'ai repris depuis 2020 la direction d'une équipe de recherche sur les mycobactéries et les Bordetella au sein du Centre d'infection d'immunité de Lille, dont je suis la directrice adjointe auprès de Jean Dubuisson. Et j'ai aussi une activité managériale, donc j'ai passé un Master 2 à l'IAE de Lille et je suis responsable des relations internationales au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Je m'occupe également de l'animation scientifique et depuis 2020, en fait, je suis présidente de la commission d'accompagnement de la recherche à l'INSERM. La vision de mon métier, c'est vraiment de faciliter les interactions entre les différents partenaires pour pouvoir travailler de manière sereine et coordonnée. Oui, en fait, je pense que le monde de la recherche est tout à fait accessible aux femmes, notamment au niveau des postes de chargée de recherche. Les difficultés se rencontrent peut-être plus quand on commence à prendre des responsabilités ou la parité est moins respectée. Mais je reste très optimiste sur une évolution favorable dans ce domaine.